Voilà. Voilà. Il y a demain, commence mon émission en direct sur l'actu. Je suis en train de faire les petits réglages parce que c'était une émission autoproduite, autogérée. Et donc, euh, ça que en encore un peu dans les réglages, mais on va y arriver. Commenter l'actu en direct sur Facebook, pourquoi ben Parce que le monde devient de plus en plus complexe. Il y a vraiment besoin de l'analyser. On trouve de tout sur Internet. Il y a besoin de décoder, de comprendre si on veut agir. Les débats à la télé. N'intéresse plus grand monde parce qu'on débat entre gens qui sont d'accord sur l'essentiel et beaucoup de gens, pas seulement moi, sont mis au placard dans les débats à la télé. En Belgique, ça fait sept années que je suis sur liste noire. En France, depuis la suppression de Ce Soir ou Jamais d'un œil sur la planète, même chose. Et donc, il fallait créer un endroit sur Internet où on peut communiquer l'actu de manière interactive, c'est-à-dire que vous pourrez poser euh, trois questions qui seront euh, filtrées, qui seront sélectionnées euh, par quelqu'un qui va m'assister chaque semaine et auxquelles je répondrai en direct là demain. Ça va commencer sur l'actu au Venezuela l'élection de Maduro, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qui va se passer, comment Trump va-t-il réagir, et l'Europe. Et rendez-vous donc pour Michel Midi demain à midi, forcément. Merci.